après avoir visité la ville médiévale qui était super belle, franchement j'ai adoré. Aujourd'hui on va visiter Alcabeça. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a un monastère où la reine du Portugal y est, son tombeau y est. Donc on va aller voir ça, apparemment c'est sublime. Donc après ces chemins de traverse, pour y arriver, on est sur une petite plage bien sympathique parce que y a des petites montagnes. Ouais, c'est cool, hein. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait une petite plage privée. J'aime pas trop les plages de ville. C'est cool parce qu'il y a toujours des glaces, mais c'est tout quoi. Non, là franchement c'est bien, on est tranquille, il n'y a personne, il y a eu deux personnes, donc on va savourer ça. Moi je vais faire mes révisions,
parce que ça approche. Et puis, on va savourer cette flore. Et on va voir aussi la température de l'eau. Voici un magnifique produit que nous avons acheté à Oberhof. Alors non, ne vous détrompez pas, ce n'est pas de la sardine puisque nous sommes végétariens. Donc c'est du pâté végétal, on va dire, aux légumes. Et voilà, bon, la dame nous a vendu ça parce que c'est végétarien. Dans son truc, elle avait deux pauvres trucs végétariens. Et comme c'était sublime, on s'est dit allez. On en prend un pour goûter. Merci pour la présentation, copilote. Donc là, après la plage, on a trouvé ce merveilleux endroit où il y a des petites chèvres qui sont passées avec un berger. Coucou toi! Eh oui, t'avais jamais vu Naturo Nomade? C'est trop bien, c'est une très belle forêt. Donc, on est content. Avec un super arbre juste ici. J'adore. Il est trop chouette. T'as vu? Là, c'est trop trop beau. Donc. Bah alors Isis, comment te sens-tu dans ce nouveau spot après les fièvres? J'ai l'impression que tu cherches un endroit plus en sécurité. Sous-estimerais-tu tes maîtres de te mettre dans un endroit insécure? Alors Isis, les biquettes, comment ça se passe? T'as eu peur? Ouais? Oh. Ça va, ils sont gentils. J'ai mis un petit peu pleuvoir, mais c'est pas le souci. Le souci, c'est que on est envahi de moustiques à l'intérieur là. Et donc on a regardé toutes les fenêtres, c'était fermé et tout. Donc au début c'était le ventilateur. Il s'est arrêté, il n'avait plus de batterie. Donc on a enlevé. Mais là on savait pas où ça venait. On regardait toutes les fenêtres, c'est fermé. Donc il y a toutes les aérations de radiateurs et tout, donc là on a tout bouché. Mais en fait il y a 36 000
Quand je t'ai dit, il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup de moustiques et ils sont gros et c'est chiant. Ça va être compliqué. Ouh, coucou les amis. Oh, j'ai une tête de fatiguée. Les moustiques, ça a pas arrêté de la nuit. Ouais, c'est ouf hein, comment un petit animal, un petit insecte comme ça peut bousiller une nuit entière. Du coup, en plus, il pleut. Donc il y avait écrit qu'il y avait un petit peu de nuages, mais il n'y avait pas dit sur la météo qu'il allait pleuvoir. Donc il a plu toute la nuit. Un peu ce matin, et donc en fait quand il pleut, nous comme on vit dehors, ça te restreint un peu, donc on est resté dedans. Donc là il pleut plus, donc ça y est, on s'est habillé, préparé, etc. On a tout rangé, donc comme il fait pas beau, et aujourd'hui on va aller visiter des grottes. Moi j'adore ça, écoute, on va voir ça tout de suite.